fait mal au début. Mais il suffit d'être patient et de persévérer. Et après, on arrive à ce stade-là où on fait le marathon. On n'est pas fatigué, on n'est pas blessé et on n'a pas de douleur. Donc, c'est courir le marathon pieds nus, quand on est arrivé à se réapproprier les pieds et les jambes, hein, c'est tout le corps en fait qu'il faut récupérer. C'est pas seulement. Les gens pensent uniquement à la plante des pieds. Non, c'est le pied, les jambes et tout le reste. Donc, une fois qu'on a réussi le processus, là, le marathon devient une promenade. Donc, moi, imaginez-vous sur une plage de sable fin, vous êtes en train de vous marcher sur le sable fin, voilà, ou sur une pelouse, comment vous vous sentez? Les gens se sentent bien, c'est la même sensation, mais en plus en XXXL. Yes. Avec des jambes fragiles, des pieds de bébé, donc ils ont souffert plein de blessures. Non, mais les gens ils font ça, les chaussures ils atterrissent comme ça, sur le talon. Mm-hmm.